pays. Et dès que je parle que tu ne pourras pas garder patience à ma compagnie, si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit de Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. D'accord? Et il partit donc tous deux. Et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandaient à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu as pu supporter avec endurance. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux car il y avait derrière eux un roi qui s'est de poser tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposa la rébellion et la mécréance. Ils ont donc voulu que le Seigneur leur accorda en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à des garçons orphelins de la ville. Et il y avait des sous et trésors à eux. Et le père était un homme vertueux. Son Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une médicale de ton Seigneur. Je n'ai pas fait de mon bon chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu conduire avec patience. Et vous êtes la peine de cette histoire. C'était comme ça. Le bateau. Moïse s'est étonné. Cet homme, qu'est-ce qui s'est passé?